Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot renard, ma petite création. Envolée sauvage, c'est le premier jeu qui va être édité chez Wild Edition. Je suis super fière de vous le présenter et de faire le tirage avec. Et le petit oracle des couleurs. Voilà, donc on va avoir un tirage bien coloré pour ce mois-ci. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter un maximum votre tirage. Et je vous mets bien sûr les références de tous ces jeux juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, j'ai fait aussi des présentations de ces jeux, donc vous pouvez les revoir en vidéo. Alors, on va commencer avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Allez, on va la prendre au début. Vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc prenez chaque expérience, chaque situation que vous vivez comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution personnelle. Voilà, c'est un petit peu le... Ça vous permet aussi de voir que derrière chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative aussi, se cache peut-être une graine d'apprentissage pour vous et d'expérience, d'expérimentation de quelque chose de nouveau et d'évolution personnelle. Alors on va prendre une carte que je vous lirai à la fin d'Envolée sauvage. J'aime beaucoup moi utiliser ce jeu pour terminer un tirage. Vous pouvez le prendre en carte quotidienne. Allez, on va prendre celle-ci. Hop, j'ai failli la retourner. On la lit à la fin. Alors, je vais prendre trois cartes du tarot renard et une qui va chapeauter un petit peu les autres. Hop. Oh, la belle carte des amoureux pour vous. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Alors, on a la carte des amoureux. Ici, qui vous parle d'harmonie. Donc là, on voit hein, sur la carte que c'est vraiment cette notion dans ce jeu-là d'harmonie qui a été un petit peu mis en avant, d'amour. On est dans une idée de s'engager avec quelqu'un. Donc voilà, ici on ose s'engager, on ose exprimer ses émotions. On fait aussi des choix parce que forcément lorsqu'on s'engage, ça veut dire qu'on c'est un choix personnel que l'on fait. On va peut-être renoncer à certaines choses, mais pour en acquérir de nouvelles, pour vivre aussi en harmonie avec quelqu'un. Donc on est dans cette idée aussi de créer une belle harmonie autour de soi, d'avoir ce partage de cœur qui est présent. Alors, de façon générale, hein, ça peut être avec son partenaire, comme ça peut être son ou sa partenaire, comme ça peut être aussi avec ses amis. Mais on est dans une idée de vraiment de partager avec l'élan du cœur, en fait, hein, ici. Voilà. Et puis pour ceux qui se demandent si dans leur vie il va y avoir un engagement qui va se faire, hein, la réponse ici avec cette carte de l'amoureux, c'est que oui, il y a un engagement que vous ou votre partenaire va faire pour vivre cette belle harmonie ensemble. Et j'ai envie de dire, pour moi, ça va aussi au-delà de simplement la relation amoureuse, parce que une relation amicale, c'est également quelque chose de très fort. Ça peut aussi être, par exemple, prendre le choix, prendre des décisions pour aller habiter près de ses parents, pour aller habiter en colocation avec des amis, par exemple. On est dans ce choix-là aussi, du choix tourné aussi vers l'autre, pour s'harmoniser, harmoniser les relations avec l'autre, mais l'autre de façon générale, en fait. Alors, les trois cartes que nous avons. On a ici la carte du 7 de coupe, le 10 de bâton et la carte numéro 18, c'est la carte de la lune des arcanes majeures.
Donc vous avez quand même deux cartes, deux arcanes majeures dans votre tirage. Donc on voit que ça va être un mois quand même qui va être important hein, pour vous, les vierges, pour votre cheminement personnel, pour votre évolution. Des choix sans doute que vous allez devoir faire qui vont marquer un tournant aussi dans votre cheminement. Hein. Donc voilà, moi les arcanes majeures, c'est un petit peu le chemin de l'âme que l'on est en train de faire. On arpente un petit peu le chemin de l'âme, et les mineurs, on arpente un petit peu notre vie terrestre, concrètement. Donc voilà, on a une belle harmonie en fait qui se fait ici avec deux arcanes majeures, deux arcanes mineures, et de voir aussi quand même que c'est un mois un peu clé pour vous. Ici avec le 7 de coupe, on vous invite aussi à faire attention un petit peu aux illusions, aux attentes un petit peu trop élevées que vous allez peut-être mettre pour vous ou pour les personnes qui vivent avec vous. Donc faites attention à ça, de ne pas avoir d'objectifs qui soient trop idéalistes. Revenez à quelque chose de très concret aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire pour que vos objectifs soient atteignables. Ne vous mettez pas d'objectifs qui soient trop forts, trop contraignants également pour vous, au risque de vous épuiser. Et puis pareil pour les autres, ne les prenez pas pour des super-héros, faites aussi avec ce qu'ils sont capables de vous donner et de vous offrir pour ne pas être dans une illusion des forces, des capacités des personnes avec qui que vous rencontrez ou qui sont présentes dans votre vie. Voilà. Essayez de les voir tels qu'ils sont vraiment, avec leurs propres forces et leurs propres faiblesses, et non pas tels que vous souhaiteriez qu'ils soient. Et pareil pour vous, faites en fonction de vos propres capacités. D'ailleurs, avec la carte du 10 de bâton, on voit aussi que vous avez tendance des fois à porter une surcharge et ne pas vouloir déléguer. Vous voyez ici, le renard porte tous les bâtons pendant que les petits oiseaux, le petit lapin, tranquillement, tout le monde se repose sur lui. Mais au bout d'un moment, le fardeau est trop lourd, c'est trop difficile à porter. Alors qu'en fait, là, il pourrait dire, attendez, là, j'ai un fardeau un petit peu trop lourd, vous allez tous vous réveiller, et puis venir m'aider et me porter chacun un bâton. Donc on est dans cette idée-là, avec le 10 de bâton, de faire attention à pas trop se surcharger, à pas s'épuiser à la tâche aussi, à pas vouloir prendre toutes les responsabilités. Vous devez apprendre à déléguer avec cette carte. C'est très important pour votre propre bien-être d'apprendre à déléguer. Et avec la carte de la lune, on a encore cette idée d'illusion hein, qui est présente ici. Voilà. Donc on a encore cette idée d'illusion qui est très présente avec la carte de la lune. On vous invite à faire attention à tout ce qui se trame un petit peu dans votre inconscient. Faites particulièrement attention à vos rêves d'ailleurs ce mois-ci, parce qu'ils vont peut-être vous apporter des réponses et vous aider aussi à évoluer, à prendre conscience de ce qui se passe en vous. Donc voilà, faites particulièrement attention à ça. Si vous ressentez des petites angoisses, des petites inquiétudes, justement travaillez sur cette notion d'inconscient pour vous apaiser un maximum dessus et prendre conscience que ce qui est en vous n'est pas forcément la réalité, et vous avez peut-être un voile en fait qui se met devant vos yeux et qui vous fait ressentir cette angoisse. Travaillez sur ce qui est vrai, ce qui est faux, sur ce que vous ressentez, comment vous apaisez dessus. Voilà, donc on est dans un travail très psychologique ici avec la carte de la lune. On vous invite aussi bien sûr à déjouer les illusions, et on en parlait ici hein, avec la carte du 7 de coupe, de cette idée d'avoir des attentes trop grandes, d'avoir des illusions qui sont peut-être un petit peu trop fortes et qui finalement eh bien, vous frustrent. Donc il y a ce travail de conscience ici à faire aussi sur vos propres capacités et les capacités aussi des personnes qui sont autour de vous, et sur les projets également que vous avez et le fait de les concrétiser aussi, de voir qu'est-ce qui est possible de faire.
Alors, avec la carte d'envolée sauvage, je vous la montre un petit peu plus près. Le faucon de la victoire. Réchauffe-toi à la lumière du divin. Reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul. Il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Donc ne vous sentez jamais seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez vos guides, vous avez l'univers avec vous qui est présent et qui est là aussi pour vous réconforter dans les moments difficiles, vous porter également lorsque vous êtes trop fatigué et vous faire vous reconnecter aussi à vos sources, vos forces et vos ressources intérieures pour vous aider justement à continuer à parcourir votre chemin. Et éveiller voilà cette force et ce courage en vous. Vous n'êtes pas seul. Voilà les Vierges, je vous souhaite un très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!